Non, tout à l'heure j'ai réussi à le tourner, mais là j'arrive plus. The New York Times side, staying alive was no job. At second hands, moms bounced on old men. So then we moved to Shaolin land. A young youth, you're rocking the gold tooth. Low goose, only way I begin to G-York was drug loot. And let's start it like this, son. Rolling with this one and that one, pulling out gats for fun. But it was just a dream for the team who was a fiend. Started smoking wools at 16 and running up in gates and doing hits for high stakes, making my way off fire skates. No question I was speed for cracks and weed. The combination made my eyes bleed. No question, I will flow off and try to get the dough off. Sticking up right boys on board. My life got no better. Same damn low sweater. Times is rough and tough like leather. Figured out I went the wrong route. So I got with a sick tight click and went all out. Catching keys from cross seas, rolling in MPVs. Every week we made 40 G's. Yo, brothers, respect mine. I ain't gonna take now. Bam, move from the gate now. Cash rules everything around me. Cream, get the money. Dollar, dollar bill, yo. Cash rules everything around me. Vas-y. Cream, get the money. Dollar, dollar bill. Ouais, vas-y. D'esprit, d'accord, à tous, pour qu'on puisse vivre un grand moment aujourd'hui. Et on aura besoin des 16 joueurs, des 5 dirigeants, on aura besoin de tout le monde pour le faire ensemble. 80% du temps, on va défendre. Coco, Kev, Flo, Pierre, de toute façon on est prêt à ça, pas de surprise. C'est une équipe qui n'est pas prête à se faire rentrer dedans, je vous dis tout de suite. Dépassez les attentes, je vous le dis tout de suite. D'accord ? C'est exactement la mentalité de joueur qui n'aime pas se faire rentrer dedans. Donc aujourd'hui, ils vont savoir à quoi s'attendre. Concentration, c'est que ça. C'est que ça. Croyez-moi, c'est que ça. C'est que de la concentration. Vous restez concentré, on sera capable de faire. Et on est capable de faire. Par contre, on n'a pas droit à la moindre saut de concentration. Dans 95 minutes, on est prêt à aller au combat, on est prêt, putain, à prendre le copain par la main et y aller ensemble. Donc concentration, première à la 95e. Pas à 16, on va jouer à au dirigeant. Moi je suis venu hier soir avant le match de la C, préparer des choses avec Esteban, on va jouer Esteban le temps qui passe. C'est pire qu'une journée de boulot pour lui aujourd'hui. Quand je vois ce matin le monde qu'il y a à préparer, ils donnent bénévolement du temps. Ils n'ont rien demandé au club, le club ne leur demande rien du tout. Ils viennent d'eux-mêmes. Nous on est sur le terrain, c'est notre devoir. On est là, putain, vivons ces moments, jouons ces moments. D'accord ? Putain. À partir de ce moment-là. Et 95 minutes à s'arracher ensemble pour un bonheur immense et un souvenir collectif à vie. Parce que je suis persuadé, je vous l'ai dit jeudi, je suis persuadé qu'on va le faire. Vos potes, c'est pour certains vos frères et tout, et ils vous préparent des trucs depuis lundi, vous imaginez même pas. D'accord ? Prenez votre portable, regardez la vidéo, et après on va vestir directement. Donc pour tous ces gens-là, putain, arrachez-vous la gueule, pour tous ces gens-là, pour tous ces gens-là, arrachez-vous pendant 95 minutes. Lâchez-vous, il n'y a aucune pression. Il n'y en a aucune. Quand il y a tous ces gens-là qui font ça pour vous, vos potes, vos frères, là, putain, vous savez pour qui vous jouez, vous savez pour quel club vous jouez. Et eux, ils sont pas prêts en face, ils sont pas prêts à ça. Ils sont pas prêts à ça, je vous le dis tout de suite. Ils sont pas prêts à ce qui les attend.
ok, regardez-vous, soyez fiers de vous les mecs, ok, on a 90 minutes, on les regarde droit dans les yeux, on va leur faire mal les mecs, hein, c'est tous ensemble qu'on va aller, c'est, on va aller la chercher, vous devez être fiers de vous à la fin du match, d'accord, on va aller chercher le cinquième tour, allez les mecs, allez, 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 allez,
trois choses qu'on savait, on l'a fait, c'est comme ça. Maintenant, vigilant là-dessus, et après, lâchez-vous. Match déjà compliqué un petit peu en première mi-temps. Je pense qu'on a mis du temps à se débrider, on s'est mis une certaine pression. Je pense aussi du fait de notre jeunesse, on a beaucoup de jeunes joueurs. Ce que je regrette sur les 30 premières minutes, c'est qu'on ne s'est pas suffisamment lâché du coup. Et on prend deux buts sur vraiment deux choses évitables. On savait exactement les corners tirés premier poteau systématiquement. On avait beaucoup insisté là-dessus lors de la causerie. Et sur une relance où on repart pas et on passe latéral, on savait qu'ils nous mettaient une pression, qu'ils allaient nous mettre une grosse pression, on se met en danger un peu seul, alors que l'objectif c'était de casser directement le premier rideau, on trouvait plus vite nos offensifs. Et donc voilà, deux vraiment erreurs sur ce qu'on savait. Malgré ça, on n'a pas lâché, on a fait preuve d'une vraie mentalité, d'un vrai état d'esprit. Les joueurs n'ont pas lâché, on égalise. On revient au score, pardon. On revient à 2-1 juste avant la mi-temps, ça nous donnera un vrai coup de boost. Et voilà, deuxième mi-temps, on avait pour objectif de tenir, de maintenir dans le match jusqu'au bout à 2-1. On savait qu'on aurait forcément eu une situation. Voilà, ils ont vraiment accéléré sur la deuxième. Finalement, on a commencé à baisser à la 65e et ça commence à être compliqué. On prend ce troisième but logiquement et après on n'a pas lâché. Je suis fier des gars parce qu'ils n'ont pas lâché. On aurait pu s'effondrer, que ce soit à 2-0, à 3-1. On a continué à bien bosser. Voilà, on a montré une belle image et comme j'ai dit, avec beaucoup de jeunes joueurs. Donc c'est intéressant pour la suite. Je pense que ce match-là, dans 2 ou 3 ans, avec un effectif un peu plus mature, en gardant ces joueurs-là, je pense qu'on sera capable de faire des grandes choses tous ensemble.